Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Éric Angelier, bonjour, directeur général fondateur de Green Pact. Vous êtes un start-up studio, vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Alors un start-up studio, c'est déjà un terme compliqué, mais c'est tout simple, c'est une boîte qui crée des boîtes. Ouais. Ça veut dire c'est une entreprise dont le métier est d'inventer des nouvelles solutions aux problèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois économiques et écologiques. Mmh. Et on a décidé de le faire évidemment, dans la transition écologique, puisque c'est le sujet qui nous importe et qui nous anime. Comment vous sélectionnez les projets ? C'est quoi ? Quels sont les critères ? Parce que j'imagine que des options, des idées, il y en a beaucoup quand vous sélectionnez. C'est extrêmement vaste. Ouais. C'est extrêmement vaste. On s'est d'abord donné 4 secteurs d'activité. Mm-hmm. L'énergie renouvelable, la mobilité propre, mm-hmm. La construction, l'éco-construction et l'agriculture durable. Mais vous avez raison, c'est très vaste. À l'intérieur de ça, en fait, on fait confiance à nos indicateurs. On fait une veille de ce qui se passe un peu dans le monde sur ces sujets. Et puis, on va chercher des deep tech à l'intérieur des labos. Mm-hmm. On se rend compte de, à la fois, quels sont les pain points, les problèmes qu'on a à résoudre dans notre société au quotidien, et en même temps, quelles sont les opportunités, à la fois technologiques ou simplement de changement de business model, qu'on peut prendre en main pour inventer des nouvelles solutions. Quand vous choisissez une start-up en création, vous l'accompagnez. C'est quoi l'accompagnement ? C'est lever de l'argent ? C'est donner des conseils ? Ça consiste en quoi ? En fait, il y a deux choses. Mmh. Je le disais, on est entrepreneur de nos propres projets, c'est-à-dire oui. nos propres idées mmh. sur lesquelles on développe nos propres solutions. Et puis ensuite, on va chercher des entrepreneurs pour porter l'offre sur le marché, ce qu'on vient de faire à la fois avec Enerpact et avec WESC, à la fois pour le photovoltaïque et pour la mobilité électrique. Mais aussi, on co-entreprend avec des entreprises externes qui peuvent être des start-up, avec des labos ou avec des corporates, parce qu'en fait, on aime associer les talents pour faire des choses intéressantes. Mmh. L'entreprise, vous l'avez créée avec une trentaine d'entrepreneurs, c'est exactement, ça ? Exactement. Oui. Donc, vous levez collectivement 1,5 million d'euros pour lancer l'idée. Mais là, il faut accélérer. Expliquez-moi pourquoi et comment. Mais en fait, l'entreprise, on l'a lancée déjà avec un start-up studio existant au mmh. départ, qui s'appelle Waoup, qui fait ce métier-là depuis 6 ans. Et puis, on a décidé de créer une filiale dédiée à la transition écologique. Mais on a décidé de le faire en groupe. Donc, on est allé chercher 30 entrepreneurs complémentaires, des gens qui avaient des expériences dans chacun des secteurs d'activité qui sont les nôtres, mais aussi des gens dans le digital, dans la finance, etc., qui vont nous aider à la fois dans l'idéation, mais également quand on apporte une idée, dans le fait d'accélérer, d'aller plus vite et de réunir et de fédérer autour de ça. Et comme ça se passe bien et qu'on a des tas d'idées, on a décidé de lancer tout de suite le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire d'aller lever entre 10 et 30 millions d'euros pour financer les 10 ans qui viennent et les 20 à 30 ou 40 entreprises qu'on a envie de lancer. J'ai vu en allant sur votre site un exemple récent, la ferme intégrale par exemple, c'est quoi ? Alors la ferme intégrale, c'est une idée assez magnifique qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie, je vais vous l'expliquer et vous n'allez rien comprendre, c'est, c'est tout simplement le fait d'associer la pisciculture, mm-hmm. donc l'élevage de poissons, ouais. avec l'hydroponie, c'est-à-dire le maraîchage, la culture évidemment maraîchère, ouais. sur une base aqueuse. Et en fait, quand vous associez les deux, ben, vous pouvez tout simplement, avec les déchets de poissons, les cacas de poissons, ouais. nourrir les plantes qui filtrent l'eau qui va revenir aux poissons. Voilà, et cette idée-là, j'ai tout compris. C'est une idée intéressante, c'est une idée extrêmement écologique, mmh. c'est une idée pour produire de la protéine animale à des coûts et à des systèmes écologiques extrêmement positifs. Bon, c'est un peu compliqué à réaliser et on va essayer d'aider autant qu'on peut le porteur de cette idée, la ferme intégrale. Mmh. Merci beaucoup, merci Éric Angelier. Bon vent à Green Pact, belle idée et une forme de solidarité d'entreprise tournée vers le business. J'aime beaucoup cette idée. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, c'est Eva Ben Saadi et Émilie Kovacs que vous retrouverez pour Smart Impact et le grand entretien. Bonne journée à toutes et à tous.